are here because we really support the growth of innovation around the world. And this is why the United States of America, led by our embassy, but also NASA, are here today to help give some support for this effort in France. C'est une de nos priorités de développer des initiatives auprès des jeunes pour les inciter à rester et à se lancer ou à rester dans les carrières scientifiques et à travailler dans le domaine des technologies. En France, on a probablement ce qui se fait de mieux en matière d'ingénierie et en matière d'idées. Et pour reprendre une célèbre phrase du général de Gaulle, en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Encore aujourd'hui ça s'est avéré et ça s'est avéré au cours de cette InnoCup. C'est ça qui est formidable, c'est-à-dire on vit là pendant 48 heures avec eux, on découvre, on visite des laboratoires d'excellence, on voit leurs projets, ils nous les racontent. Alors on a vraiment beaucoup aimé Xerox, c'était génial parce que les deux personnes qui l'ont présenté étaient très... Ça a été dynamique, ça se voyait qu'ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient et ça nous a vraiment marqué et on a trouvé ça incroyable de voir toutes les applications que ça pouvait avoir. Bah alors déjà on a découvert comment fonctionnait un Fab Lab, on a vu aussi les technologies qui s'utilisaient, les engins, les machines, découpeuses laser, imprimantes 3D. Pour InnoCup 2015, la Casemate a été coordinateur du projet avec l'ensemble des partenaires et nous avons mobilisé aussi tout un réseau en France, à l'échelle nationale, donc d'autres centres de culture scientifique et d'acteurs de culture scientifique pour relayer l'information et mobiliser les jeunes partout où ils sont et notamment à travers le réseau immédiat. L'innovation pour nous c'est penser autrement. Pour moi, c'est essayer de rechercher des idées pour améliorer le quotidien. On a créé quelque chose vraiment, et ensuite on a pensé aux améliorations futures. Donc je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. On a pris du plaisir à faire ce projet, et même si on y a passé beaucoup de temps, on n'a jamais pris ce projet comme une contrainte. Bah, je pense qu'on continuera à travailler sur notre projet pour essayer de créer de nouvelles fonctionnalités, peut-être commander d'autres choses qu'un robot. Mais en tout cas, on pense continuer à travailler dessus. On ne veut pas s'arrêter là. Il a été vraiment très réconfortant de voir à quel point ces jeunes équipes ont fait preuve de créativité, d'esprit de collaboration aussi. Et d'un souci, d'enjeux qui concernent la santé, l'énergie, le sport et donc la société dans son ensemble.